Yo tout le monde, on continue avec notre série d'infos fulminantes de la soirée. Et là, je vais pouvoir vous parler de la prochaine faction que vous allez découvrir sur le DLC La Maison des Loups, donc sur l'espace social du récif. Donc pour information, on sait déjà qu'il y a déjà la faction de l'Ire de la Reine, ainsi que la faction de la Maison du Jugement. Et donc la troisième et dernière faction, ce sera donc celle du Disciple d'Osiris, donc la faction d'Osiris que tout le monde à présent doit connaître et qu'on ne présente plus. Donc on a eu quelques informations détaillées, en particulier sur cette faction, et comme vous pouvez le voir sur ce screen, il y a trois éléments. Je vais donc pouvoir commencer par l'élément qui se trouve le plus en bas. Il s'agira probablement de la pièce de monnaie, donc la pièce d'échange qui vous permettra d'avoir accès au tournoi d'Osiris, donc cette fameuse pièce dont on vous a déjà parlé au cours d'une précédente vidéo. Juste au-dessus, vous pouvez voir Trial Supplies, qui devrait être a priori des sortes de piles. Donc on n'a pas eu d'informations dans le live de Bungie, on ne sait donc pas particulièrement à quoi ces éléments vont servir. Dès qu'on a des informations, on n'hésitera pas à vous transmettre l'information. Et juste au-dessus, vous avez donc les récompenses d'Osiris. Et donc ces récompenses se présentent sous forme de colis qu'il va falloir probablement décrire, et vous aurez donc des armes, des armures, des équipements à l'intérieur. Donc voilà donc les fameuses récompenses du tournoi d'Osiris. Voici sa faction dans la globalité. Donc n'hésitez pas à aller rendre visite à ce fameux disciple d'Osiris. Voilà, c'est tout pour cette série d'informations. Je vous retrouve avec une dernière vidéo sur la faction de l'Ire de la Reine, et je pense qu'on aura donné à peu près un maximum d'informations détaillées pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et gros bisous tout le monde.